Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr au bord du stand Ferrari pour découvrir la nouvelle 488 GTB. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire que même quand vous êtes journaliste pour un grand média comme l'Argus, eh bien il y a au moins une heure d'attente pour pouvoir avoir accès à cette voiture. Donc c'est avant tout les clients qui sont servis, même si c'est les journées médias, vous voyez, confrère bien équipé qui est dehors. Donc là, pas facile de travailler, mais on peut toujours contempler cette nouveauté sur base de 458, mais qui reçoit désormais un bloc turbo 3,9 litres, hein, qui délivre 670 chevaux. Là, vous voyez, on voit bien le travail qui a été fait non seulement sur les bas de caisse hein, à l'avant, au niveau du capot et au niveau des portières, avec les entrées d'air à l'arrière pour bien alimenter le moteur en air qui respire artificiellement avec deux turbos. Ici, on peut voir les jantes de 20 pouces avec des freins en carbone céramique. Voilà la partie arrière avec la double sortie d'échappement proéminente et les diffuseurs. Les feux ont été retravaillés aussi, mais on a toujours un aileron intégré. Donc ici, ils nous ont mis des graphiques pour bien montrer tout le travail qui a été effectué sur l'ESP, les aides électroniques, de façon à créer un système vectoriel et faire en sorte que la voiture soit beaucoup plus efficace que la 458 qui déjà ne traînait pas. Donc on a un nouveau différentiel actif et des amortisseurs actifs également. Les performances sont tout simplement hallucinantes puisque Ferrari annonce 3 secondes sur le 0 à 100. C'est seulement un dixième de plus que le supercar, la Ferrari. Donc autant vous dire que ça devrait dépoter, mais cette GTB devrait être tout de même bien plus facile à conduire qu'un supercar et accessible au plus grand nombre. C'est l'objectif de cette berlinette. Allez, à bientôt sur l'Argus.fr.